Vincent Aboubakar, le joueur de 31 ans qui évolue présentement dans le club turc de Beşiktaş, a sauvé son équipe contre Galatasaray avec un doublé. Le Beşiktaş qui était mené 1-0 contre Galatasaray n'arrivait pas à s'en sortir grâce à un pénalty marqué par le joueur camerounais Aboubakar Vincent qui les a fait revenir au score et après une occasion bien construite qui n'a pas hésité à inscrire le deuxième but. Aboubakar Vincent se retrouve maintenant avec 7 buts en 6 matchs de compétition confondus. Mbeumo, Brian Mbeumo, le jeune attaquant camerounais de 23 ans qui évolue à Brentford en tant qu'attaquant, a sauvé son équipe durant l'affrontement contre Brighton. Le jeune camerounais démontre son talent en étant l'auteur de 2 passes décisives qui a aidé son équipe à revenir au score juste avant la pause. Et juste après la pause, auteur encore d'une passe décisive qui a permis à Brentford de prendre l'avance sur Brighton jusqu'à ce que le but ne soit encore égalisé par l'Argentin Mark Allister à la 90e minute qui marque un penalty pour permettre à Brighton de revenir au score. Et le match a fini par se conclure par un score de 3-3. À présent, parlons de notre troisième star camerounais, Eric Maxime Choupo-Moting, le jeune attaquant camerounais de 35 ans qui évolue dans le club de Bayern. Eric Maxime Choupo-Moting était blessé lors de l'affrontement du Bayern contre Manchester City. Il a dû rester au banc et voir son équipe prendre une leçon. Un match qui s'est fini à 3-0 contre le Bayern, qui se sont fait dominer pendant les 90 minutes. Eric Maxime Choupo-Moting a commencé les entraînements individuels. Ça fait de cela 2 jours. Et hier, jeudi, Eric Maxime Choupo-Moting a été vu participer aux entraînements collectifs. Tout porte à croire que les blessures du joueur se sont déjà rétablies et qu'il est prêt d'encore une fois de plus porter son équipe. Puisque Eric Maxime Choupo-Moting est le meilleur buteur du Bayern Munich, toute compétition confondue cette saison. Eric Maxime Choupo-Moting est donc prêt pour recevoir le club de Hoffenheim dans le Allianz Stadium. Nous avons d'abord Vincent Aboubakar qui rend la fierté des Camerounais. Ensuite, nous avons Brian Mbeumo qui n'a pas vraiment fait grand jeu pendant les qualifications de la Coupe d'Afrique. Puisque le Cameroun d'abord a perdu son premier match contre la Namibie 1-0. Et a ensuite fait un match nul grâce à un but de Vincent Aboubakar. Puisque Choupo-Moting était blessé et forfait, donc ne pouvait pas participer aux qualifications. Ensuite, nous avons Maxime Eric Choupo-Moting qui s'est rétabli de ses blessures. Et compte faire très fort pour relancer le Bayern. Si l'actualité sportive camerounaise vous intéresse, je vous demande de bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos.